moule de Bouchot de Charon au Pinot des Charentes. Moule de Bouchot, ça nous indique un mode de production, c'est-à-dire qu'elles se sont développées sur des pieux. De Charon au Pinot des Charentes, bon ben là on est clairement sur la dénomination de la région. Moi j'ai poussé le bouchon un peu plus loin puisque je vous propose comme accompagnement des pommes de terre à la diable. Qu'est-ce que c'est donc ce diable? Eh bien le diable, c'est cet instrument, c'est typiquement charentais. Si vous n'en avez pas un chez vous, vous pouvez tout à fait cuire vos pommes de terre à l'eau, des parois froides, vous rajoutez un peu de sel, une feuille de laurier, une gousse d'ail, et puis c'est parti pour une vingtaine de minutes, ça va dépendre de la taille de vos pommes de terre. On attaque tout de suite le nettoyage de nos moules. Alors, nos moules, on va les passer déjà une ou deux fois sous l'eau claire, et après, ben, on va regarder, c'est-à-dire celles qui ont des petits coquillages, juste avec le bout de l'ongle, on va enlever le petit coquillage. S'il y a des petits filaments, même chose, on tire sur le petit filament et c'est bon. On évite et on met de côté, même pas qu'on évite, on les met totalement de côté, toutes celles qui pourraient être un petit peu abîmées. Et enfin, celles qui sont entrouvertes, eh bien on vérifie qu'elles sont quand même en pleine forme, on donne un petit coup sec dessus et si la coquille se referme, c'est que tout est bien. Alors cette recette avec le pinot et le diable est clairement un clin d'œil en général à la Charente-Maritime et plus particulièrement à Charon, qui est quand même le berceau de la moule de Bouchot. Donc là, j'ai terminé de les nettoyer. Et puis maintenant, on va attaquer nos échalotes. Je vais couper les deux extrémités. J'enlève la première peau. Pour émincer, je vais couper dans un premier sens. Ensuite, j'escalope et je réalise des petits dés. Voilà, j'ai fini de couper finement mes échalotes. Je récupère une casserole. Je la pose sur ma plaque, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et je mets tout de suite mes échalotes. Le but du jeu, ça va être de faire revenir ces petites échalotes. Je veux pas de coloration. Donc pour éviter ça, hop, petite spatule, et je remue régulièrement. Donc ça va être à peu près une minute de cuisson. Ça y est, mes échalotes sont translucides. Il est grand temps de rajouter mon pinot des Charentes. Donc là, je le verse et je peux monter le feu à fond puisque dans un premier temps, l'objectif va être d'évaporer tout l'alcool. En fait, ce pinot va m'apporter une petite touche un peu sucrée dans cette recette. Alors dans un premier temps, ça va vous piquer le nez, mais ça c'est normal. Justement, c'est ces vapeurs d'alcool qui sont en train de s'évaporer. Je sens plus les vapeurs d'alcool, donc il est grand temps de rajouter nos moules. Je les verse d'un coup. Je vais rajouter un petit peu de poivre qui va aider à leur ouverture. On remue un tout petit peu. Et on couvre. Et là, on est parti pour 2 minutes de cuisson. Ça y est, mes moules sont ouvertes. J'arrête immédiatement le feu de façon à éviter toute surcuisson. Et là, il ne me reste plus qu'à prendre du persil. On va le couper le plus finement possible. Alors on peut couper également les tiges dans un sens puis dans l'autre. On va apporter cette petite touche de verdure sur mes moules. On mélange. Il ne nous reste plus qu'à servir. Alors d'un côté, nos moules au pinot des Charentes. Juste à côté, quelques petites pommes de terre qui sont brûlantes, sorties tout juste du diable, avec leur gousse d'ail. La feuille de laurier, elle est où? Elle est par là. Et voilà. Et pour accompagner mes moules au pinot des Charentes et mes pommes de terre à la diable, je vais me servir un crémant d'Alsace. Santé !